L'athlétisme pour moi c'est une drogue, cette dose d'adrénaline, 1h30 à 2h par jour où je suis dans ma bulle et c'est mon moment à moi. Mon grand frère en fait il faisait déjà de l'athlétisme, chaque soir je le voyais s'entraîner et je le charriais un peu, toi tu te fais mal à l'entraînement pour faire deuxième, troisième, mais moi je vais te montrer que je vais gagner. J'ai dit maman je veux faire de l'athlétisme, je suis tellement rentré dans leur tête qu'au bout d'un moment ils ont cédé. Ce que mes parents ont donné avec les moyens qu'ils avaient, ça change tout. Je pense à eux quand je suis à l'entraînement, je pense à eux quand je suis sur la ligne de départ. Continuer le sport, soit faire les études, c'est sûr que cette question se pose au bout d'un moment. C'était limite un défi pour moi de prouver que c'est possible en fait d'allier les deux. J'ai été jusqu'à la licence. Maintenant, je me consacre pleinement en fait à ma carrière sportive. J'ai jamais quitté la Guadeloupe. Je suis vraiment très attaché à mon île. J'ai tout ce qu'il me faut ici. Tant que j'ai pas atteint mon objectif avec la coach avec qui je suis actuellement, je vois pas pourquoi je vais partir ailleurs. Avec Katie, c'est une très belle histoire. Elle me permet de performer. J'ai été champion du monde et recordman du monde junior en 2014. C'est peut-être prétentieux, mais en fait, je me suis dit, je veux ce record du monde, donc je l'aurai. En 2016, lors des Jeux de Rio, je me fais éliminer. Je fais un faux départ au premier tour des qualifications. J'ai l'impression que tout s'effondre. J'apprends en fait à me dire, c'est pas grave, à voir la chose pas comme un échec, mais comme un apprentissage. Je suis très fier de faire partie de la team CEPAC. C'est un accompagnement à double fonction, actuellement pour le sportif que je suis, et aussi à des fins de reconversion. 2024 qui est dans la tête, j'espère vraiment avoir cette médaille olympique à la maison et faire briller la Guadeloupe.